Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai décidé de me lancer dans une série de vidéos thématiques au sujet des limit breakers, enfin des dépassements de limites, hein, des haters, où je vais d'abord analyser les 3 étoiles de chaque couleur, les 4 étoiles et les 5 étoiles, en faisant un top 7 des, selon moi. Hein. Donc après, ça sera mon opinion qui reste subjective et qui est basée sur mon année et demie de jeu jusqu'à présent. Mais je suis sûr que ça va être matière à débat parce que je pense que plein de personnes ne vont pas penser comme moi dans le classement des héros qui sont à privilégier pour les limites breakées. Là, dans l'alliance des pipelettes, on se pose beaucoup de questions sur certains héros, lesquels il faut prioriser, que ça soit 3, 4 ou 5 étoiles. Et c'est un travail que j'avais déjà commencé à faire de mon côté et j'avais envie de partager mon avis parce que plein de joueurs demandent d'ailleurs, est-ce qu'il faut que je commence par limite breakée tel ou tel héros d'abord. Donc juste pour rappel, les limites breakers, dépassement de limites, c'est une quête pour l'instant qui est mensuelle, hein, où vous pouvez récupérer des éthers de différentes couleurs donc, et de différentes catégories, de 1 à catégorie jusqu'à 3. Sachant qu'en fonction de la rareté du héros, donc si c'est un héros 3 étoiles, vous avez besoin que des éthers numéro 1 en fait. Voilà. Donc pour cette première vidéo, je vais analyser les héros 3 étoiles bleues qui à mon sens sont à limite breakés en priorité. Donc on va aller sur cette analyse là. Si vous avez l'œil rapide, peut-être que vous avez vu certains héros déjà dans le classement. Je vais commencer par les mentions honorables, hein. Donc c'est les héros qui sont hors du top 7, mais qui étaient vraiment pour moi pas loin de l'être. Donc si vous avez ces héros-là, je les conseille aussi pour les limites breakées. Donc là, les mentions honorables, hein, ça va être Gato, qui est rapide, qui est un héros assez vieux, hein, parce que c'est un héros de la saison 2 d'Atlantis, qui est combattant et qui est un héros assez polyvalent, je trouve. Donc c'est pour ça qu'il avait sa place parmi les 7. J'ai vraiment hésité à le positionner dedans. Une bonne stat d'attaque. En revanche, défense et vie assez faible. Mais il faut se rappeler qu'on est sur des statistiques de saison 2. Hein. Donc assez ancienne. On a une CS de sniper. Hein, 300% de dégâts à la cible pour un 3 étoiles. C'est plutôt sur la moyenne haute. Et on a un deuxième effet qui est plutôt rare. Je crois que c'est un des seuls à le faire en 3 étoiles, en tout cas en rapide. C'est le lanceur et les alliés proches sont immunisés contre les nouveaux effets négatifs pendant 3 tours. Donc ça, vraiment, c'est intéressant parce que du coup, Gato est rapide. Donc si vous avez en face des héros qui vont vous appliquer des dégâts de brûlure, de poison, donc différentes dots, des dégâts sur le temps, Gato va être très utile et sa classe combattant fait que voilà, c'est un héros qui peut revenir à la vie avec un PV et vous pouvez quand même lancer sa CS et protéger les alliés. Donc ce qui est intéressant, c'est d'en mettre 2 en position 2 et 4 dans votre composition pour protéger toute l'équipe contre les effets négatifs. C'est un bon héros d'événement, c'est un bon héros. Là, je vais vraiment traiter l'ensemble des aspects limite pourquoi on le limite breakerait. Je vais même considérer que voilà, je vais m'adresser aux joueurs débutants ou alors free-to-play qui peut-être ont Gato et qui l'utilisent dans leurs attaques de GDA, par exemple. Il est tout à fait utilisable. Après voilà, en défense il l'est moins et sur Titan il va pas avoir une grande valeur ajoutée, d'où le fait qu'il ne soit pas du coup dans ce top 7. Ensuite, dans les mentions honorables, on a Ulmer aussi qui était pas loin d'intégrer ce top, qui est lent, inflige 116% de dégâts à tous les ennemis et tous les ennemis reçoivent moins 34% de défense pour 6 tours. Donc Ulmer dans sa version normale, pourquoi il est top? Parce que 6 tours de debuff de défense, c'est assez incroyable en fait. En revanche, là où il va pêcher un peu, c'est que en général, si vous l'activez en raid ou en tournoi, c'est que vous avez déjà gagné a priori parce que vous avez les tuiles pour activer un lent dans votre couleur si vous partez en mono ou en 4-1. Donc pourquoi il n'est pas dans ce top 7? Parce que sa lenteur va être un frein et on a des statistiques de défense qui sont vraiment trop faibles, hein, 376 de défense.
Donc, il n'est pas dans ce top 7. Mais voilà, pourquoi pas le limit breaké. Encore une fois, ça dépend de vos objectifs, si, de vos objectifs et de ce qui vous plaît dans le jeu. Parce que si, comme moi, les tournois attaque de ruée, c'est ce que vous préférez. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce format-là. Ben, clairement, je m'amuserai beaucoup avec un Ulmer emblème et 20. Donc, pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas le limit breaké? Après, pour moi, il n'est pas dans les priorités quand même. Mais il peut être envisageable. Et la dernière mention honorable, donc là j'ai pris une image de la Toolbox, hein, je vous la conseille cette application très très bien, EP Toolbox, parce que j'ai tout simplement pas de Jarvis en montée, je me suis rendu compte sur mon compte principal. Pourquoi il est dans les mentions honorables et pas dans le top 7? Parce que je trouve qu'il aurait mérité un peu plus de dégâts sur sa CS. Ok, il est rapide, mais 285%, là on est en dessous d'un gâteau. On va être en dessous d'autres héros qui vont être analysés dans ce classement. Et le cumul d'attaques est vraiment anecdotique parce que vous allez jamais le lancer 10 fois dans un combat, même en rue et en sa CS. Hein. Donc, cumul maximum de 10, ça n'a pas de sens avoir un cumul de 10 pour un boost de 10% d'attaque qui va être déclenché qu'une fois. Pour moi, ça n'a pas vraiment été optimisé, en tout cas, sur ce héros-là. Après, il a des stats décentes, héros de Valhalla saison 3. Donc, il est utilisable, mais est-ce qu'il est prioritaire pour le limit break? J'ai jugé que non, voilà. Et on va rentrer dans ce top 7. En 7e position, j'ai décidé de donner cette 7e place à Elo. Elo qui est un soigneur de la saison 4, donc là, qui est sur des statistiques plus élevé, hein. Ça a quand même son importance dans mon classement, même si c'est pas mon unique bien sûr critère, mais avoir des statistiques récentes, forcément on va avoir des héros qui sont plus au goût du jour et plus solides, en fait. Même sans emblème, il a 505 de défense, donc c'est pas mal. Des bons points de vie aussi, hein, 799, et une attaque qui reste correcte. Restaure 32% de la santé de tous les alliés, donc c'est un bon soin. Et ce qui fait sa valeur, c'est la purification des effets négatifs de tous les alliés, qui est un effet plutôt rare sur les 3 étoiles en général, et encore plus en bleu. Il n'y a pas beaucoup de cleans bleus. Donc c'est pour ça que je me mets en cette 7e position. Utilisable en attaque, utilisable en défense, en tournoi, en événement aussi. C'est que en titan, où pour moi il va être assez faible. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut dans le classement. Mais dans l'ensemble, il est plutôt polyvalent. Et j'ai déjà vu des personnes le limit breaker en blé mais 20. Ben, c'est un très bon soigneur bleu, du coup, qui peut être amené en attaque de GDA très facilement. Et utilisable sur les tournois, comme je l'ai dit. Nous avons Valen en 6e position. Valen dans sa version normale. Là, je crois qu'il a les stats un peu boostées parce que j'avais commencé à monter son costume sur un deuxième Valen. J'ai un Valen que j'ai emblémé. Là, celui-là est sans emblème. Pourquoi Valen en 6e position? Bah là, typiquement, si je dois trancher entre gâteau et Valen pour le limit break, Valen aura ma préférence. Pourquoi? Parce que il inflige comme gâteau 300% de dégâts, mais je positionne le debuff de défense de moins 34% sur 6 tours sur une utilité plus grande que l'immunisation contre les effets négatifs que gâteau procure, en fait. Donc c'est pour ça que je le mets en 6e position. En plus, lui, il est facilement comparable à gâteau parce qu'il est aussi de classe combattant. On est sur des statistiques similaires à gâteau, mais ma Valen a ma préférence parce que du coup le debuff de défense dans la hiérarchie des capacités spéciales, pour moi, c'est au-dessus. Et en plus, sur Titan, il va être utilisable par les joueurs débutants ou intermédiaires qui n'ont pas encore pu monter Grimm, par exemple. Et qui peuvent très bien amener Valen sur du Titan. Je pense que sur du Titan, jusqu'à 5, 6, 7 étoiles, Valen fait le taf. Hein. Donc voilà. Valen qui est, du coup, bien positionné dans ce classement. Ensuite, en 5e position, nous avons Nordri, que j'ai hésité à mettre un peu plus haut. Donc Nordri qui est bien connu. Pour moi, il a ce debuff élémentaire de glace qui aussi dans la hiérarchie des CS utilitaires va être dans le top de ce qu'on peut attendre d'un héros parce qu'il va être utile en titan.
Je sais que même des joueurs de haut niveau l'utilisent, ceux qui n'ont pas Frida, ceux qui n'ont pas Roi Arthur. Nordri, typiquement, il est utilisable. Il a des bonnes stats d'attaque, des bons points de vie. Il tape 3 cibles en moyen. Donc, vraiment, que du positif. En rapide, il serait trop fort, je pense. Donc, la vitesse moyenne, c'est bien pour ce héros-là. En tournoi, il va être utilisable aussi bien en ruée qu'en bataille sanglante. Donc, ça va être très bien. Booster de bonus, évidemment, là, c'est moins intéressant. En titan, hyper intéressant. Et en plus, lui, je trouve que sa valeur ajoutée, c'est qu'il a la famille de glace des héros de Valhalla, je sais plus si c'est de glace le bonus de famille, c'est un des royaumes, hein. Mais quand il meurt, il va laisser un sbire sur les alliés, donc c'est quand même voilà une valeur utilitaire de plus en défense. Lui clairement, pour moi, c'est les personnes qui n'ont pas Frida, qui n'ont pas Roi Arthur et qui l'utilisent en titan. Pour moi, c'est vraiment un héros à limite breaker en priorité. Surtout que sur les 3 étoiles, c'est pas cher de limite breaker ces héros, que ça soit en ressources ou en aether. Vous pouvez en limite breaker plusieurs. Donc, Nordri, pour moi, c'est vraiment une évidence de le limite breaker. Et si vous avez Roi Arthur ou Frida comme moi, j'envisage quand même de le limite breaker parce que il peut être utile en event, il est vraiment très polyvalent. Donc il occupe la 5e place de ce classement. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous l'auriez mis plus haut ou plus bas, mais pour moi il était indispensable de le mettre dans ces 7 top héros à limite breaker. Nous en sommes autour de Karil dans sa version costumée. Donc là, je trouve qu'ils ont fait un très beau boulot avec le costume qui a redonné vraiment un sens à Karil qui, moi, dans sa version normale, je l'aime pas, Karil. Là, pourquoi il est meilleur en version costume? Déjà, la classe, voyou. Donc ça, c'est très très bien parce que du coup, vous allez l'emblémer barbare sur le héros sur la version de base et il bénéficiera des effets voyous sur la version costumée. Donc ça c'est vraiment un plus, donc il au niveau de la classe beaucoup plus utile et c'est un des seuls, je crois que c'est le seul héros de glace qui va occasionner un dot de brûlure. Donc ça c'est quand même à noter, il tape assez fort 3 cibles. Il a des bonnes stats d'attaque, 527, il pêche un peu en défense mais ça peut être compensé par les emblèmes. Et justement, moi, Karil, c'est vraiment un que je conseille à limite breaker. Vous ne le regretterez pas. Il m'a déjà très bien servi en event, que ce soit en défense pour avoir des rangs A ou pour assurer mes attaques. En tournoi, pardon. Et en event, il est vraiment très utile aussi. Donc, un héros vraiment à considérer fortement pour le limite breaker. En 3e position, donc, est-ce qu'il faut encore le présenter, Gunnar? Un des héros classiques que quasiment, je pense, 99% des joueurs possèdent. Lui, vraiment, il est lent, c'est vrai. Mais là, vous voyez que j'ai pris le Gunnar de mon compte que j'ai déjà monté à 20 d'emblème et qui est limite breaké. Et je ne l'ai jamais regretté. Parce que vraiment, dans les tournois, c'est vraiment vraiment indispensable sur certains tournois de l'avoir, hein, pour les ruées, pour aussi les boosters de bonus, il peut être utile, même s'il est lent. Pour les events, il va être utile. Vous pouvez aussi vous en servir sur Titan pour vous mettre la mana sur lui. Comme ça, vous pouvez tanker si vous êtes bas niveau ou que vous avez galéré à survivre sur les Titans rouges. Vous le mettez en full mana et vous avez l'équivalent d'un partage de dégâts comme le ferait Wilbur en fait. Hein. Donc, vraiment, lui, moi je conseille de le limite breaker sans hésitation. C'est pour ça qu'il a cette place de top 3, 3e du coup, bien mérité. Nous avons ensuite en 2e position Poussin Junior. Donc là, il a failli être top 1. J'hésitais vraiment, mais pourquoi je ne l'ai pas mis top 1? Parce qu'il y a quand même un contre-effet à sa CS qui est surpuissante. Hein, parce qu'en moyen, avoir un héros 3 étoiles qui tape tout le monde, je crois que c'est le seul en bleu sur les 3 étoiles. Corrigez-moi en commentaire hein, si je me trompe, mais il me semble que c'est le seul. En revanche, il va quand même recevoir moins 20% d'attaque pour 3 tours.
cet effet ne peut pas être purifié. Bon, ça, ok, c'est un petit inconvénient, mais ça n'empêche que le perso est génial, parce que il va pouvoir vraiment vous sauver sur plein de situations. Et en, quand vous l'avez en face de vous, en fait, en attaque de ruée, ben, s'il déclenche, vous êtes dans de grandes difficultés, je pense. Moi, j'ai vraiment pas hésité à l'emblème 20 et le limite breaké. Et pareil, aucun regret. Vous avez vu ces stats d'attaque qui sont assez impressionnantes pour un 3 étoiles. Hein, là, emblème 20 et limite breaké, on est à 684. Il a une défense qui est correcte, des bons points de vie. Un héros d'événement qui est seulement disponible hein, pendant l'événement saisonnier de Pâques. Donc malheureusement, ceux qui ne l'ont pas, il faudra attendre avril 2022 du coup. Et du coup, à votre avis, qui occupe la première place? Suspense, voilà, un petit peu de suspense. C'est Gunnar à nouveau, mais dans sa version costume. Donc, évidemment, je les compte comme deux héros différents. Pour moi, il faut en monter deux de Gunnar, idéalement, je pense. Et lui, vraiment, il va être encore utilisé, je pense, dans 1-2 ans. Le partage de dégâts envers les ennemis, c'est quelque chose qui est assez puissant aussi. Et tous les ennemis reçoivent moins 44% de défense pendant 5 tours. Donc là, c'est la star des tournois de ruée. En plus, il est druide, donc avec le bonus mana, il déclenche seulement en 6 tuiles. Il peut être utilisé dans plein de combinaisons possibles. Il a une défense très élevée, des points de vie à 1100. Là, avec les emblèmes 20 et le limit break, on est quasiment sur des stats d'un 4 étoiles non emblémé. Hein. Donc, en titan, pareil, il va être juste génial. Donc, il mérite cette place de top 1. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un classement différent? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez sur le classement. Là, juste pour préciser, je vais être pendant une période de vacances, donc ne vous inquiétez pas si je réponds pas rapidement, mais je prendrai le temps de lire tous vos commentaires et d'échanger avec vous si vous avez une idée de classement différente ou si vous auriez mis d'autres héros. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment mon opinion et c'est aussi pour aider ceux qui se posent des questions ou qui hésitent à limite breaker, à franchir le pas parce que vous regretterez pas de limite breaker certains héros. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce thème-là, sur les autres 3 étoiles dans les autres couleurs. À très bientôt, merci.